Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Nancy. Allô mon amour. Donc, bienvenue à Parole d'encouragement. Et comme vous le savez, à chaque soir, Dieu nous met à cœur d'apporter un verset d'encouragement dans ces temps difficiles. Amen. Et vous savez, ce soir, je vais aller avec vous dans Ézéchiel 34, au verset 11 et 12. Et je vais vous le lire. Ça dit, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je le ferai la revue de mes brebis. Et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. » Vous savez, quand on a des jours obscurs dans notre vie, mais Dieu nous recueille. Mm. Dieu prend soin de nous. Et c'est une de ses promesses qui est faite aussi dans Ézéchiel. Et ça s'adresse aujourd'hui à nous. Ça dit, j'aurai soin de moi-même de mes brebis. Wow. Dieu a soin de chacun d'entre nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et on va terminer avec la prière. Amen. C'est vraiment bon. Merci mon amour. Je t'aime. Gloire à Dieu. Amen. On va prier dans le sens du verset. Mais premièrement, je veux rendre gloire à Dieu. Que tu es notre vrai berger. Je veux rendre gloire à Dieu que tu as à cœur de prendre soin de nous. Amen. Que tu prends en revue chaque un de tes enfants, puis tu le sondes, puis là tu le transformes de gloire en gloire, tu le transformes, tu le sanctifies. Puis ça, je veux t'en remercier. Amen, merci. Tu fais paître ton troupeau vraiment à la perfection, papa. Ouais, ouais. Même si les circonstances démontrent le contraire, toi, tu sais ce que tu fais au travers les épreuves, au travers les tribulations, au travers les afflictions. Tu travailles fort puis tu prends soin de nous, Seigneur. Puis si jamais on se fait prendre par un loup, par un si, tu viens nous chercher de la gueule pour nous sortir ouais, de là. Puis merci pour ça, papa du ciel. Puis ceux qui se sont dispersés, ceux qui se sont en allés plus loin dans le monde, ceux qui ont quitté l'Église, on te prie, tu dis que tu les ramènes, tu les recueilles, puis tu les ramènes. Fait que Seigneur, c'est ça qu'on veut te demander aussi ce soir, c'est de ramener tes brebis perdues, de les ramener. Des fils et des filles prodiges. Amen. Qui peuvent se revenir, papa. Puis on veut des nouveaux. Puis des nouvelles sœurs, puis des nouveaux frères dans le Seigneur aussi. Fait qu'on te demande d'aller chercher les âmes qui sont parties, puis les âmes qui sont perdues. Puis c'est dans le nom de Jésus qu'on te demande ces choses. Et pour ta plus grande gloire, amen. Merci, papa. Amen. Et c'est en mon nom, Stéphane. Oui, puis mon nom, Nancy. Qu'on vous dit, soyez bénis. Oui. Et soyez en pleine santé spirituelle. Physique. Et émotionnelle. Puis passez une très belle soirée. Amen. Mouah. Bye-bye. Bye-bye.